Nous sommes à Orsainville. C'est une petite prison de petits délinquants, des gens dont on ne trouve pas le nom en première page du journal. Sauf en 1972, lorsque la petite prison se fait connaître comme le lieu de résidence des trois prisonniers les plus célèbres au Québec. Le président de la CSN, Marcel Pepin, celui de la FTQ, Louis Laberge, et celui de la CEQ, Yvon Charbonneau. Quel a été leur crime? D'avoir recommandé aux grévistes du Front commun de défier l'injonction gouvernementale qui leur ordonnait de rentrer au travail. En 1972, on est toujours à mettre sur pied l'assurance maladie, l'aide juridique et la plupart des services sociaux qu'on démantèle aujourd'hui. Côté politique, le Parti libéral, dirigé par Robert Bourassa, est surreprésenté à l'Assemblée nationale avec 102 députés, alors que le Parti québécois de René Lévesque, avec 25 % du vote et seulement 6 députés, est sous-représenté. Trop de Québécois et de Québécoises n'ont pas voix au chapitre. Côté syndical, le temps est à la confrontation. En 1972, l'ennemi dans le vocabulaire des militants n'est pas seulement le foreman, le boss, le capitaliste, c'est aussi l'État, rouage de l'exploitation, comme le proclame la FTQ. Les trois grandes centrales syndicales s'unissent pour faire front commun contre le gouvernement et déclarent la première grève illimitée dans le secteur public de toute l'histoire du Québec. Louis Laberge, Marcel Pepin et Yvon Charbonneau sont condamnés à un an de prison. Mais ça demeure un coup de matraque dans l'eau, puisque le Front commun remporte la bataille. Le gouvernement de Robert Bourassa concède la sécurité d'emploi, l'indexation au coût de la vie et le salaire minimum de 100 $ par semaine. Bienvenue à l'aventure. En compagnie de Julie Roy, l'aventure se retrouve en prison. Lieu toujours impressionnant, de quelque façon qu'on regarde une prison, qu'on s'y trouve, derrière ou devant les barreaux, c'est toujours intimidant. Et pour parler d'une histoire qui est extrêmement importante au Québec, ça se passait en 1972, et le Québec, malgré ses traditions démocratiques, a, à ce moment-là, emprisonné trois chefs syndicaux. Il y a Louis Laberge, de la FTQ, Marcel Pepin, de la CSN, et Yvon Charbonneau, de la CEQ. Ça se passait en 72. Vous aviez quel âge? Vous aviez toute petite fille? 4-5 ans. 4-5 ans. Toute petite fille. Vous vous en souvenez pas, hein? Pas vraiment. Je me souviens de discussions animées autour de la table. Je me souviens d'une période effervescente, mais je me souviens pas des événements comme tels. Non. Mais en faisant cette recherche pour nous raconter cette aventure-là, vous avez donc rencontré, pas uniquement des gens, on le verra, mais toute une époque également. Oui, j'ai fouillé, j'ai rencontré des chefs syndicaux de l'époque, j'ai rencontré des syndiqués aussi, parce que les chefs syndicaux se sont retrouvés en prison suite à une grève dans la fonction publique, une grève du Front commun de la fonction publique en 72. Front commun, expliquons tout de suite, c'était une des premières fois, sinon la première, que les grandes centrales syndicales, qui habituellement sont en compétition, se sont mises ensemble, s'unissaient pour agir de façon commune. Oui, dans le secteur public. Le 7 mars, toujours au Forum, c'est l'Assemblée du Front commun syndical qui attire 12 000 participants. Les chefs syndicaux recommandent aux représentants des 210 000 syndiqués du secteur public de voter non au référendum sur les offres de Québec. L'Assemblée est dominée par les enseignants et l'on fait appel à l'union contre le gouvernement. Ce n'est pas un affrontement avec le gouvernement du Québec. Ce que nous voulons, c'est une convention collective. Pas une convention collective imposée. Une convention collective véritablement négociée. Est-ce qu'on aurait pu faire les mêmes revendications sans faire un front commun?
sans donner cet aspect d'affrontement global social? Bien, je crois pas, parce qu'il y avait plusieurs des revendications. Je peux vous les nommer. Il y avait, entre autres, le 100 $ par semaine. Cette revendication-là n'aurait pas pu être là s'il y avait eu des négociations sectorielles, parce qu'il y avait près de 50 % des employés de la fonction publique, du secteur public, en fait, qui n'avaient pas le 100 $ par semaine. On demande 100 $ minimum par semaine pour tous les travailleurs du secteur public, quel qu'il soit. Et ça, c'est la revendication principale, je pense, du Front commun 72. Et on le fait au pluriel. On dit « je veux », non, on dit « nous ». Nous, c'est le « nous » qui est... Oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très important de dire qu'un des slogans les plus marquants du Front commun de 72, c'était « nous, le monde ordinaire ». Donc, c'était vraiment « nous » par rapport à eux, qui étaient le gouvernement, qui étaient aussi les lobbies derrière le gouvernement. Nous, le monde ordinaire, ça a été dévastateur, ça, pour toute l'idéologie dominante de l'époque, parce que ça faisait prendre conscience très précisément d'une problématique de classe. Avec qui on se tient, qui sommes-nous? Puis ça a été très fort, ça, en termes d'intégration, aussi bien pour l'employé de l'hôpital que pour l'enseignant de cégep, par exemple. Puis je disais tout à l'heure que ça avait donné lieu à une invention populaire. Je me demande si c'est pas à Sept-Îles où ils ont fait une espèce de jeu qui s'appelait le « nous qui » et le « qui nous ». Nous qui travaillons, nous qui sommes exploités, nous qui bossons, nous qui ne gagnons pas cher, qui nous exploite, qui nous maltraite, qui nous manque de respect, les « nous qui » et les « qui nous ». Alors, de cette façon-là, sans que ce soit une grille lourde marxiste, il y a le phénomène d'identification à un groupe, à une classe, finalement, qui a été très, très, très fort, puis qui est allé chercher bien du monde, qui ne serait pas venu, je pense, autrement. Oui, oui, parce que je me dis, moi, on était à cette époque-là très sensible au pouvoir du groupe. Puis je me souviens, dans les assemblées syndicales, quand on disait on va être 210 000, le 210 000 était très important. On ne peut pas tasser 210 000 personnes. Il y avait la sécurité d'emploi aussi qu'on réclamait. On ne voulait plus de patronage, finalement, dans le secteur public. Quant à nous, du côté syndical, nous demandons une véritable sécurité d'emploi. Il y a des transformations partout dans le secteur public et parapublic. Nous sommes prêts à en tenir compte, mais nous voulons à ce moment-là que les employés, que le personnel n'ait pas à payer parce que le gouvernement fait des transformations. C'était sans doute une des premières fois qu'un aussi grand ensemble portait non seulement des revendications, je dirais, de groupe, très parcellarisé, mais avait une vision sociale. Puis ça, il faut avoir été témoin des débats qui ont pu se produire entre, par exemple, les bas salariés puis les hauts salariés. Il y a du monde chez les professionnels, chez les plus hauts salariés, chez les enseignants aussi, qui ont accepté de recevoir moins pour que ceux qui étaient en bas reçoivent davantage. Nous en arrivions à un socialisme à visage humain. Mais c'est pas du tout casser le système d'un coup sec, là, puis... Mais évidemment, quand on vit dans le système économique actuel, puis qu'on est payé suivant la loi du marché, puis qu'on demande d'être payé d'une manière décente, indépendamment de la loi du marché, c'est un changement de régime, mais c'est pas un cassage du système total. C'était un véritable projet de société qu'on proposait, et on voulait être partie prenante aux décisions et faire partie de l'ensemble de la société, de l'ensemble de l'économie. Il y avait une espèce de mouvement et une volonté de changer le monde et de changer la société qui est impressionnante. Julie, 1972, bien sûr, ça vient après l'Expo 67, la crise d'octobre en 70, mais c'est aussi une période d'effervescence sociale très forte. Ça bouille encore, là. Bien oui, ça bouillait beaucoup à cette époque-là. On se rend compte que finalement, la Révolution tranquille qui nous promettait tant de choses, le maître chez nous de Lesage n'a pas donné les résultats escomptés. C'est encore les grandes compagnies internationales qui mènent. Les gens ont une frustration par rapport à ça. Et en plus, il ne faut pas oublier aussi que ça se déroule dans un contexte international radical aussi. Il y a eu mai 68 en France. C'est l'époque de la décolonisation, d'une décolonisation internationale. Donc, ça bouge beaucoup partout, y compris au Québec. Je suis défriché, pas défroqué. En dessous de mes cheveux, j'ai ma terre. Un Québec là, ça c'est mon bar. Pour faire quelque chose, oui, ça presse. Lâche pas bonhomme, ce sera ta fête.
comprends-tu ça, comprends-tu ça? Il est état, c'est ta personne, c'est ta babelle, c'est pas notre bebelle qui se l'arrache, puis moi je m'en sacre. On a assisté à ce moment-là à une galvanisation des forces au niveau national et au niveau social qui ont concordé, qui ont fait en sorte qu'on n'a plus jamais connu, on n'avait pas connu auparavant, cette espèce de, d'état dans lequel ces deux types de forces se retrouvent, comme ce fut le cas au début des années 70. Les mouvements syndicaux, ce qui est important, c'est les militants. Pas les gauchistes, les militants. Qui disent on s'en va par là, puis là c'est trop injuste, puis on veut régler ça. D'ailleurs, les plus grosses grèves dans la province de Québec, puis celle-là, je veux dire, c'était pas pour de l'argent. C'était pour dire vous allez nous reconnaître, vous allez nous traiter convenablement parce qu'on a des fonctions importantes. C'est les fonctions les plus importantes de la société, s'occuper des malades, puis s'occuper des personnes âgées, puis s'occuper des enfants, je veux dire. Notre approche est plus d'aider l'autre et de prendre soin du patient. Alors, aller en grève, c'est pas une décision qui est facile. Ça remet en question un petit peu notre fonction première. Alors, c'est difficile. On a notre cœur qui nous dit, ben, tu devrais prendre soin de ceux qui sont à l'hôpital et qui sont malades. Puis d'un autre côté, il y a notre raison qui nous dit qu'on a des intérêts comme travailleurs à défendre. Alors, je pense que pas seulement moi, mais bien des membres étaient déchirés de cette situation. Puis je me souviens, à cette époque-là, il y avait une infirmière qui travaillait avec moi et sa mère était aux soins intensifs et elle était sur la ligne de piquetage avec moi. C'est difficile. On les présentait comme des anarchistes, comme des sans-cœur, comme des cruels qui laissaient à eux-mêmes les malades dans les hôpitaux. Les syndiqués que moi j'ai interviewés m'ont dit, écoutez, on essayait de vouloir négocier avec les dirigeants d'hôpitaux les services essentiels, assurer des soins de base, et les directions d'hôpitaux ne voulaient rien savoir. Les directeurs nous empêchaient même d'assurer ces soins-là. Mais justement, si le patron refusait les services essentiels... Il faut croire que lui savait que les gens n'étaient pas en danger. C'est ce qu'on s'est dit. Parce qu'autrement, je pense que ce n'est pas de son intérêt non plus de faire qu'on ne soigne pas les bénéficiaires qui sont en... les malades qui sont à l'hôpital. Alors, s'ils refusaient notre entrée, il faut croire que les patients n'étaient pas en danger. Mais c'était quand même une préoccupation pour nous. On cherchait à faire connaître les revendications. On n'avait pas l'esprit de vouloir se battre sur les lignes puis de faire la guerre. On s'est rendu compte que ça avait pris une autre tournure. L'anti-émeute était là 3-4 heures après qu'on était arrivé. On a commencé 6 infirmières sur les lignes de piquetage. Et puis à midi, on avait déjà l'anti-émeute qui était sur le perron de l'hôpital. Alors à ce moment-là, pour forcer le retour au travail, le gouvernement Bourassa a décidé de demander aux tribunaux d'émettre des injonctions. Les deux premiers jours de grève, quelques 8500 employés de l'Hydro-Québec se sont joints au débrayage défiant l'injonction du 28 mars. Ils dressent des piquets de grève devant l'immeuble du Hydro à Montréal et participent activement aux manifestations. Les syndiqués qui sont gonflés à bloc et qui sont sûrs de leurs revendications continuent le mouvement de grève et défient les injonctions sous la recommandation des trois dirigeants syndicaux. Mais surgit la menace d'une loi d'exception, la loi 19. Devant les députés, M. Bourassa aura ce cri du cœur. Assez, c'est assez. Non sans débat houleux, la loi 19 est donc adoptée le 21 avril, obligeant les grévistes à cesser leur action. La grève aura duré 11 jours. Elle prend fin pour de bon le 24. La loi 19 interdit toute grève du secteur public avant le 30 juin, sous peine de fortes amendes et de peine de prison. Quand on a fait la loi 19, on était dans une situation où les rapports qui nous étaient fournis, particulièrement dans les hôpitaux, étaient désastreux. Nous ne pouvions pas, avec l'information qu'on possédait, qui venait du ministre de la Santé de l'époque, Claude Castonguay, ne pas agir et rapidement face à la situation faite aux malades dans nos hôpitaux psychiatriques, dans nos hôpitaux pour malades chroniques et dans les hôpitaux en général. Le Conseil du patronat appuie le Bill 19 qui a été déposé hier.
Il était devenu évident depuis quelques jours qu'on ne pourrait pas réaliser un règlement dans ce conflit. Il y a une loi qui est inconstitutionnelle à notre point de vue parce que le droit de grève, le droit de piquetage est dans le code criminel depuis 1872. Ça passe 100 ans, presque aussi longtemps que la Confédération. Les gens étaient motivés, voulaient faire la grève. On se remet dans le contexte, ils s'étaient fait dire qu'il fallait se battre pour tout le monde, qu'il fallait être solidaire, qu'il fallait descendre dans la rue. Ils avaient bravé les médias, bravé les injonctions. Et là, ils n'avaient rien gagné et on leur disait de rentrer au travail sans avoir rien gagné. Nous avons décidé de recommander aux membres du Front commun de retourner au travail, tel que prévu dans la loi. Ceci étant dit, ce n'est pas la fin de cette lutte. Apparemment, ce gouvernement pourri n'accepte pas que des travailleurs se battent honnêtement, franchement. Mais c'était émotif, là, faut pas oublier. Oui. 72, le soir, quand ils ont été à TV, c'était émotif. Il y avait 14 jours de grève dans le temps, il y avait eu tout ça. C'était très émotif, c'était la douche froide. Oui, je me souviens, moi, on dit que c'était dans le calme et dans la sérénité, mais je vous dirais que ce soir-là, quand je me suis couchée, j'ai compris les poseurs de bombes. Je n'aurais pas posé une bombe, mais je les ai compris. J'ai compris qu'à un moment donné, un individu peut être amené à poser certains gestes parce qu'il y a des convictions profondes, puis quand tu sens tout s'écrouler, il peut être amené. Je les ai compris. J'aurais pas posé les bombes, mais je les ai compris. On sentait qu'on était battus. Et c'était un sentiment de tristesse. J'ai pas senti de révolte à ce moment-là, mais de tristesse comme quelqu'un qui vient de perdre. On a une certaine amertume. On dit, ils doutent de nous parce qu'on est capable, on leur a prouvé, on est capable. Pourquoi qu'ils pensent qu'on n'est pas capable? Nous, ça se posait pas de douter de nos membres. C'était pas du tout le problème de ça. Mais craindre les forces extérieures à vous, ça, cependant, on avait peur de vous emmener dans la dèche plutôt que de vous sauver. Alors, c'était ça qui était notre point de vue. Mais ça nous échappait un petit peu, qui a été le mouvement de volte-face qui s'est fait. On n'a pas trop compris. On est rentré triste au travail. Mais peut-être d'un côté aussi soulagé, parce que ça avait pris une envergure qui nous dépassait. Puis peut-être qu'on voulait mettre un point aussi à ça. Mais pour moi, il y avait comme une forme de trahison de la part des dirigeants syndicaux. Parce que moi, j'ai voté dans le sens qu'il n'y ait pas de retour au travail, qu'on continue la bataille engagée. Comment non? J'ai jamais vu ça, j'ai jamais admis ça. Quand Pépin m'a dit, on leur a averti par la télévision, j'ai dit, pouvais-tu te poser des questions? Hein? Parce que c'est ça, des grévistes, ils veulent savoir c'est quoi qu'on a gagné, puis... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé chercher que ce qu'on avait demandé, je veux dire? Mais M. Pépin rétorquait qu'il y avait une loi spéciale qui était... Ah oui, la loi spéciale, bien sûr, la loi spéciale. Il y a toujours eu des lois spéciales, là. Mais pas faire ça par la télévision. J'admettrai jamais ça, que ça soit fait par la télévision. Je pense que nous avions assez bien senti le pouls de nos membres. Et à terme, après les événements, ceux qui nous avaient combattus le plus... Ils ont dit, j'avais donc bien fait de faire ça. Parce que eux aussi et elles ont réalisé, les infirmières qui n'étaient pas contentes, c'est sûr qu'il y en avait. Mais ça aurait été bien pire, catastrophique, à mon avis, si nous avions décidé de continuer. On aurait été lavés, à mon avis, totalement. Normalement, le conflit est terminé. On arrête de se chicaner, puis on s'en va chez soi, puis on s'en va travailler. C'est ce qui se passe, mais seulement jusqu'en mai. Parce que, malgré le fait que la loi 19 a été respectée, il restait toujours à régler la question des injonctions qui, elles, avaient été violées durant la grève. Début mai, les chefs du Front commun sont à leur tour poursuivis pour outrage au tribunal. Messieurs Pepin, Laberge et Charbonneau se présentent au palais de justice de Québec, mais après une demi-heure d'attente, ils partent.
les accusés entendent ainsi protester contre ce délai, mais singulièrement contre le déploiement de forces policières dans l'enceinte du tribunal. Le 8 mai, bien qu'absent, les trois leaders sont condamnés à un an de prison ferme pour avoir, selon les termes du jugement, incité les travailleurs à transgresser l'injonction émise en avril. Le lendemain, à la tête d'un cortège d'environ 1500 personnes, les chefs des trois centrales se rendent de l'Assemblée nationale jusqu'au palais de justice où ils se livrent à la police. Il y avait aussi une trentaine d'autres leaders syndicaux locaux qui avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement. Et ils ont demandé, par solidarité, à purger leur peine en même temps que les trois chefs. Vous avez passé à travers ce que vous avez vécu dans ces années-là. Les deux souvenirs. On ne fera pas la même chose. Non. Et dans ma valise, en plus d'avoir des shorts, puis des bas, puis des chaussures, des chemises, puis des cravates, un vrai niaiseux, je m'étais emporté deux bouteilles de cognac. Et quand on est parti du palais de justice de Québec, dans une petite vanne, il y avait six policiers pour nous trois, t'as dangereux, maudit. Alors moi, je dis aux policiers, ils ont pitié de se prendre un petit verre de cognac avant de rentrer. Et puis, ils ne voulaient pas parler de l'air bête. Je continue à jaser avec, puis il me dit que sa juridiction assaise à première porte de la prison, la porte extérieure qui est en barreau. Alors, on traverse, on entre, et la porte se ferme derrière nous. Bang! Il dit, là, c'est plus votre juridiction. Rouvre la valise, sort la bouteille de cognac, une rasade à Marcel, une rasade à Yvon, puis moi, j'en prends une. Mais j'avais pas le droit, j'ai pas ta juridiction, mais tout. La dégradation totale. Qu'est-ce qui se passait ici? Ici, nous fouillait. Une fouille? À nu. Et au complet. Tous les orifices étaient fouillés. Ça, je trouvais ça assez dégradant. Sans doute, c'est nécessaire pour la sécurité. Mais il me semble qu'il aurait dû dire qu'on n'avait pas une sorte de morphine, puis d'héroïne, puis ça. Du moins, ils ne l'ont pas trouvé. Comme tous les autres prisonniers, ben, c'est tout nu, puis c'est la douche, puis ils te regardent les fesses. Et ceux qui pensent qu'on était traités comme Al Capone en prison, ils se trompent à maudit. Hein. On était traités exactement comme... On a eu un seul avantage, et un seul. C'est que c'était des dortoirs bons pour 10, et on avait eu l'énorme privilège, puis moi, je le reconnais, que tous les trois, nous étions dans un dortoir pour 10. Les détenus là, qui sont 10 dans un dortoir pour 10, ça doit faire dur. Je me souviens, je couchais dans la première ici. Ah oui? Le matelas, il n'est pas trop épais, hein? Non. Non. Tu dors, mais parce qu'il est fatigué. Mais c'est pas inévitant le jour à aller se coucher. Pas très confortable? Non. C'est pas très large non plus, hein? J'étais plus gros à ce moment-là, alors je n'avais plus d'espace. Charbonneau, lui, était plus loin. La berge était la deuxième d'ici, oui. Mais moi, j'avais beaucoup d'admiration pour Marcel Pépin. Et puis, je trouvais que c'était un homme que je trouvais honnête, franc. Donc, quand il a été condamné, j'ai été peinée. Mais d'un autre côté, j'étais fière d'être condamnée avec lui. C'était pas pour moi, c'était pas n'importe qui. Et puis, le fait de le savoir condamné, ça m'a apporté du support aussi. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, on peut pas laisser Marcel Pépin en prison. Alors, si lui est en prison, puis que nous, on est là, il va se passer quelque chose, puis on va sortir. C'était un peu ma sécurité à travers tout ça. Je pense que la principale réaction qu'on a pu constater, c'en a été une d'incrédulité. Le Canada puis le Québec ont quand même une réputation fort enviable au plan démocratique, mais mettre en prison les présidents des principales organisations syndicales, en même temps que des dizaines de militantes et de militants, c'est des choses qui dépassaient l'entendement, aussi bien en France qu'en Belgique que dans d'autres pays, y compris au Mexique, où une manifestation, selon les rapports de presse, devant l'ambassade du Canada a attiré quelque chose comme 1000 personnes. Tu penses que je m'en aperçois pas quand tu me pousses vers la grève? Je sais bien que t'aimes pas nos syndicats, tu voudrais bien qu'ils crèvent. Quand tu mets nos chefs en prison, le patron te reçoit dans sa maison. T'es là comme en famille,
Quand j'ai parlé à M. Choquette, je lui ai demandé, écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de, comme ils avaient respecté la loi 19, de mettre un, il un petit couvercle là-dessus? Il aurait pu le faire. Ce que M. Choquette me disait, c'est, écoutez, ça n'aurait pas été juste. Il fallait aussi que je montre que les trois chefs syndicaux étaient comme toute la population, donc les envoyer en prison... Ouais. C'est l'argument habituel de dire c'était la loi, c'est la loi, c'est la loi pour tout le monde, etc. Oui, c'était vraiment la ligne dure, mais il subsiste beaucoup de divergences d'opinion là-dessus. On est tous réunis, les vieux compagnons d'armes. Compagnons, non. Non, d'armes, oui. D'armes. Non, je sais pas si vous parlerez bien. Oui, allez-y. Mais justement, en 72, vous parliez du bien commun et tout. Est-ce que, vous, à ce moment-là, vous le perceviez comme une grève politique? Non. Tout le monde ici? Pas personnellement. Moi, je crois que c'est une grève politique, tout simplement. Il y en a fait une grève politique dont c'en était une. Là, il y avait un vaste mouvement d'à peu près 200 ou 300 000 travailleurs qui étaient tous en ébullition. Écoute, on ne peut pas se cacher les faits. Je n'aimerais pas. Oui, mais on ne peut pas se cacher les faits. Ça impliquait un bouleversement énorme des structures institutionnelles. Hein? Bon. Quand on était en prison, je me souviens. Comment t'allais en prison? T'étais en prison après la folie. Laisse-moi tranquille, toi. Je vais te dire ce que j'ai à dire. Tu diras ce que tu as à dire. Mais vous n'étiez pas au-dessus de la loi, d'après moi. Je n'ai jamais pensé être au-dessus de la loi. Oui, mais... oui, c'est ça ton erreur. T'as pensé être au-dessus de la loi. Pas du tout. Oui, moi, oui, Marcel, c'est là le problème. Je suis allé en prison. Et c'est pour ça que le peuple a dit on les aime, ces gars-là. Mais quand même, ils ont violé la loi. Non, on a violé. C'est ça le débat. On a violé une injonction. C'est pas la loi qu'on a violée. Ben oui, c'est la même chose. Non. Quand tu dis aux travailleurs des hôpitaux, retournez pas au travail, laissez-les crever. Ils voulaient aller en prison, puis ils ont en prison. Ben oui, ils voulaient y aller, puis ils sont allés. Ils ont mis en prison. Ben oui, c'est tout. Oui, mais le point est que le suivant, c'est pas une lutte entre nous et toi, c'est pas une lutte entre la justice et vous. Ça vous enlève pas vos mérites et votre popularité, non plus que votre charisme comme chef syndical. Ça fait que vous avez fait une faute cette fois-là et vous avez été puni. Et les gens ont dit qu'ils le méritent. C'est tout simple que ça. Il te l'a dit tantôt. Il avait décidé d'aller jusqu'au bout. Ça comprenait la prison. Ils m'ont mis en prison. Je savais qu'ils me mettraient en prison à part de ça. Son plan. Ben, c'était pas mon plan. Mais si on allait jusqu'au bout, le gouvernement nous mettrait en prison. Puis moi, j'ai ni à Bourassa, ni à Choquette, ni à Cournoyer, ils nous ont mis en prison. Correct. À mon avis, ils ont fait une erreur, tout simplement en nous poursuivant comme outrage au tribunal. C'est ça qui est ta première erreur. C'est lui qui l'a fait, ça. Pour moi, ça, je suis sûr que c'est pas toi. Lui, il l'a fait. Quand tu nous as poursuivis pour outrage au tribunal, là, tu savais pas dans quel engrenage tu t'embarquais. Puis là, il fallait que tu ailles jusqu'au bout. Moi, j'avais la responsabilité du ministère du Travail. Jean-Paul Lallier avait la responsabilité du ministère de la Fonction publique. Toi, tu avais la justice. À un moment donné, mes problèmes à moi et les problèmes de Jean-Paul n'étaient pas les tiens. Les tiens, c'était, bien sûr, de faire administrer la justice et de faire en sorte que les tribunaux soient respectés. Dans mon cas, moi, ça m'a fait mal quand tu l'as fait. Mais je t'ai jamais blâmé parce que tu l'avais fait. Ta responsabilité comportait une chose différente de la mienne. Moi, je voulais maintenir un climat de relation avec ces gens-là qui étaient là. Fallait que je les sorte de prison à un moment donné, mais je ne savais pas encore que je les sortirais un jour. Parce qu'ils n'avaient pas encore mis en prison. Quand ils étaient en prison, tu nous as dit à nous autres, au Conseil des ministres, comme si c'était hier, je m'en souviens, c'est pas de vos affaires, ça relève du ministre de la Justice, puis le ministre de la Justice n'a pas à répondre au gouvernement constitutionnellement. C'est ça que tu m'as dit dans ce temps-là. Il a tout à fait raison, et j'approuve tout à fait ce qu'il dit. Dans ce sens, c'est que le ministre de la Justice, au point de vue constitutionnel, quand il agit et qu'il décide d'initier une procédure, il ne doit même pas en discuter avec le Conseil des ministres en général. Jean-Paul Lallier a appris que les chefs syndicaux seraient emprisonnés alors qu'ils s'en allaient les rencontrer à un meeting cédulé de négociation. Jean-Paul Lallier ne savait pas du tout, mais pas du tout. C'était une action strictement du ministre de la Justice dans ses prérogatives et dans ses devoirs de ministre de la Justice. Mais vous avez votre place dans l'histoire à cause de moi. Ah, ça, c'est vrai, par exemple. Non, mais c'est pas moi qui vous a donné l'occasion de vous illustrer. Mais seulement si tu avais agi autrement. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Si tu avais dit au monde de négocier. Parce que le gouvernement, là, il imposait sa politique salariale sans discussion.
Puis? Puis? Alors, lui qui est responsable, autres? Le gouvernement, c'est pas toi. T'es juste représentant d'une centrale syndicale. Puis? Le gouvernement a la responsabilité du bien public, donc, pas toi. Donc, on n'a qu'à s'écraser quand le gouvernement décide. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Mais t'as pas non plus à provoquer d'une façon aussi épouvantable que vous l'avez fait. Dès le lendemain de l'emprisonnement des chefs, il y a eu un grand mouvement de grève impressionnant qui n'était absolument pas orchestré par les trois centrales syndicales. Et c'était un mouvement qui était tout à fait spontané. On y est! 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 Tiens, ici, un communiqué que j'avais envoyé le 12 mai. Rapport des débrayages à 1h de l'après-midi, voyez-vous. Ça, c'est un peu à la grandeur du Québec. Ça, c'est tout la liste de tous les ça. Gens qui avaient... Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal, Montréal Matin, De Gazette, De Star n'ont pas paru aujourd'hui. Journalistes et autres employés ont débrayé. Et c'était partout. C'est ça, Chibougamau, Beauceville, l'hôpital Saint-Joseph. C'est devenu très important. C'était un soulèvement populaire, une révolte populaire. Dans certaines villes, les postes de radio ont été pris d'assaut. Et la vague de protestation a gagné toute la province. Les travailleurs occupent le poste de radio de Saint-Jérôme, puis c'est le Thetford Mines de Sherbrooke, de Québec. Ils diffusent leur message, dénoncent l'incarcération des chefs du Front commun et demandent le rappel de la loi 19. Ici, l'occupation dure 1 heure, là, plus d'un jour, selon que la police est plus ou moins expéditive. À l'époque, on luttait contre la concentration de la presse qui était très forte et contre l'orientation des médias qui se trouvaient du côté du pouvoir. Mais il y avait aussi le gouvernement qui désapprouvait ce mouvement de désobéissance civile, là, parce que c'était carrément ça dans certaines villes. Je pense entre autres à Sept-Îles, à Thetford Mines. Oui, il y avait des connotations insurrectionnelles dans certains endroits. Ah oui, et quand on dit que les postes de radio sont occupés puis que la ville est bloquée au complet, qu'il n'y a plus rien qui bouge, qu'il n'y a plus rien qui se fait, c'est un mouvement insurrectionnel. Il n'est jamais arrivé d'incident grave, mais on était sur la limite d'arriver des choses. Il y en a qui essayaient d'ouvrir le commerce avec un fusil dans les mains. La police allait les désarmer. Il y a des gens qui mettaient des fusils dans les autos. Ils disaient, hey, ils vont voir qu'on a nous autres aussi. Et là, je pense qu'on est allé à la limite. On était vraiment chanceux de réussir à conserver ça discipliné parce qu'on contrôlait pas tout ce qui se passait. Il y a quand même eu un mort, il ne faut pas l'oublier. À Sept-Îles, il y a une personne, un automobiliste qui était anti-gréviste, qui a foncé sur une ligne de piquetage et il y a eu un mort. Ce mouvement de révolte populaire, de réaction importante d'une partie de la population, est-ce que ça a ébranlé le gouvernement? C'était pas un soulèvement pour renverser le gouvernement. Il y a personne qui m'a dit que la volonté était de changer, de révolutionner complètement la façon de gouverner. C'était simplement une prise d'opposition et on voulait aller jusqu'au bout. On voulait que les chefs syndicaux sortent de prison parce que c'était inacceptable. Si on m'a raconté les bonnes affaires à l'époque, à l'intérieur même du mouvement syndical, il y avait de la grogne. Tout le monde n'était pas toujours d'accord. C'était la crise. C'était la crise. Et puis le mouvement lui-même, pendant ces journées-là, on était convaincus que c'était l'avenir de la CSN qui se jouait d'une certaine manière. Il y avait une crise d'identité très profonde. Il y avait un malaise très profond. Et on sentait que le mouvement craquait. Comment? On ne le savait pas, mais c'est très clair que ça craquait. La crise qui se tramait au sein de la CSN, ça représentait peut-être un petit peu l'opinion qui régnait dans la population. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui estimaient que les chefs étaient allés trop loin, que les revendications étaient trop fortes et qui contestaient un peu l'espèce de virage politique qu'avaient pris les syndicats. C'est des gens qui étaient contre tout tumulte social à l'époque. Je me souviens de certains discours des gens qui vont fonder la CSD, c'est bien ça dont il s'agit. Oui. Qui employait le mot « tumulte », que syndicat n'était pas fait pour faire du tumulte social. Voilà. Alors, la rupture au sein de la CSN s'est vraiment consommée lors d'une réunion du Conseil confédéral qui a eu lieu au moment où les trois chefs étaient encore en prison. Et les membres étaient réunis ici, dans une salle qui avait à peu près cette disposition-là. Michel Chartrand était assis ici, tout près. Alors, Michel s'est levé pour... aller prendre place au micro. Et à ce moment-là, une personne s'est déplacée de l'extérieur, derrière de la salle, est arrivée ici. Et dès que Michel s'est présenté, elle est sortie de la rangée. Il l'a frappé.
en lui donnant un bon coup de poing à la figure. Michel a ployé, évidemment, sur le coup, sans perdre conscience, cependant. Mais il est tombé par terre, en fait, il s'est écrasé. J'ai été au plancher, comme disent les boxeurs. Il s'est relevé, a tendu les bras comme ça, et ça a été terminé comme ça, hein. Vous avez pas vu d'étoiles, même si... Ah non, non, j'ai pas vu d'étoiles du tout, non. J'avais vu des étoiles, peut-être, qu'il en avait vu à son tour. Je me rappelle d'être bondi de mon siège pour revenir à l'avant, puis de... Je ne me rappelle pas de ce que je lui ai dit, mais pour dire, bon Dieu, arrêtez! Tout le monde était à cette réunion-là très tendu. Et on savait les uns les autres que quelque chose se passerait. C'était une dramatique, une scène très dramatique. Et là, tout le monde était très tendu. Et l'étincelle, dès que l'étincelle s'est produite, ben là, il y a eu bagarre. C'était une déclaration de guerre. Une déclaration musclée. Le 9 juin, la centrale des syndicats démocratiques, la CSD, naît au Colisée de Québec devant 559 délégués représentant 150 syndicats. La CSD est issue d'un schisme au sein de la CSN au moment où messieurs Pépin, Laberge et Charbonneau se reposaient à Orsainville avec les conséquences que l'on sait. Ce schisme, ce sont les 3D, le vice-président de la CSN, M. Dalpé, et messieurs Daigle et Dion qui l'ont provoqué. Paul-Émile Dalpé a toujours voulu être président de quelque chose. Est-ce que vous avez la même analyse, M. Moi, oui, un petit peu plus large, je suis d'accord avec Raymond. Je pense que c'est une lutte de pouvoir qui était basée sur des orientations idéologiques et politiques. La syndicalisation massive du secteur public, ça posait une nouvelle conjoncture sociale au Québec. Vous savez, quand, dans l'entreprise privée, quand on faisait là, les batailles, que ce soit contre l'Alcan à partir de la grève de l'amiante ou ailleurs, on se battait contre un capitaliste étranger. C'était pour changer un ordre de choses qui était extérieur à nous. Mais quand c'est dans le secteur public, c'est notre propre pays, notre propre État qu'on met en cause. C'est nos propres priorités sociales. Et donc, ça a un contenu politique épouvantable, beaucoup plus gros que les conflits particuliers même. Et ça, ben, il est bien sûr qu'il y a des gens qui étaient prêts à faire ce débat-là à l'intérieur. Il y en a d'autres qui aimaient mieux garder la bataille traditionnelle. On ne voulait pas que le mouvement syndical devienne une organisation d'agitation politique, d'action révolutionnaire. On ne voulait pas cela. On voulait tout simplement, non pas faire du syndicalisme tranquille, il fallait représenter de manière très forte, de manière très dynamique, les aspirations et les attentes des travailleurs. C'est que la suite de ça, c'est que les 3D, ça voulait dire 60 % de l'exécutif de la CSN, ont quitté. Ils ont entraîné avec eux autres à peu près 35 à 40 % des permanents, 30 % des fédérations et 20 % des membres. Est-ce que c'était vraiment pour sauver, à ce moment-là, la CSN qui était donc en péril, que Pépin aurait finalement accepté de signer ce recours en justice qui lui permettait de sortir de prison? C'est possible. Ce que Marcel Pépin nous a dit, c'est la raison fondamentale pour laquelle il est sorti. Parce qu'il fallait qu'il aille régler cette crise-là et il était en prison, il était privé de tous ses droits et donc ne pouvait pas agir sur la crise. Je vous ai dit, restez en prison, mais si vous voulez sortir, allez en appel. Et là, vous avez décidé, on s'en va en appel, là, on négocie. En d'autres mots, il y avait une petite partie d'échec qui se passait là. C'est vrai qu'on avait des appels du pied à la télévision, à la radio, de Jérôme Choquette, par exemple, qui nous disait qu'on devrait sortir de prison, on devrait signer notre demande d'appel. Ça, tu nous as fait plusieurs déclarations dans ce temps-là. Là, ta mémoire sélective me dira que tu t'en souviens pas, oui, tout simplement. Je me laisse noircir, moi, là, sans répondre, mais c'est pas parce que j'ai pas une réponse globale. Non. C'est pas parce que... Non, c'est pas... Je vous ai donné votre chance. Je n'ai pas abusé. Vous avez commis un acte répréhensible. Le juge vous a condamné. Je voulais pas vous tenir là, nécessairement. C'était pas mon but. J'avais pas d'animosité. Il fallait que... Les conséquences de vos actes ont mené à ça. Puis tu le sais, Marcel. Écoute, et puis moi, j'étais là pour faire observer la loi et la faire observer au bout. Mais si vous aviez le droit d'aller en appel, c'était votre droit le plus légitime. Et puis vous êtes allé à part de ça. Nous avons décidé, les comités, les bureaux des organisations et les trois présidents, de nous pourvoir en appel de la décision unanime des cinq juges de la Cour d'appel.
Nous ne croyons pas que c'est un jugement juste, puisque nous décidons d'aller en appel à la Cour suprême. Suite à la sortie de prison des trois présidents et après que le mouvement de grève se soit estompé, Marcel Pepin a été réélu à la présidence de la CSA. Finalement, les négociations ont repris avec Jean Cournoyer et à l'automne, on en est arrivé à une entente. Le gouvernement a accepté de donner le 100 $ par semaine à tous les employés de la fonction publique et puis on a gagné aussi un régime de retraite et la sécurité d'emploi. On a mis un terme finalement au pouvoir discrétionnaire des patrons. Il y a eu un gagnant qui était le mouvement syndical. Monsieur Choquette et Monsieur Cournoyer vous diront jamais que c'est les syndicats qui ont gagné. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas de victoire quand on vit une situation semblable. Il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Je ne ferai pas une analyse différente aujourd'hui de celle que j'ai faite à l'époque. À l'époque, ils ont gagné leurs 100 piastres par semaine, puis la politique salariale du gouvernement a été respectée. C'était une grande victoire, là. Finalement, ceux qui nous reprochaient de les avoir retournés au travail, quand ils sont arrivés sur son étau, on est encore des mécontents. Hein? On est encore des traîtres à la classe ouvrière. Pour avoir accepté ça, on n'avait pas eu assez. Mais dans l'ensemble, on a dit que c'était un des bons contrats qui avait été signé dans le secteur public. Et ma question maintenant, 24 ans après, ou à peu près, là, est-ce que ça a valu la peine pour vous autres? Bien, moi, présentement, je suis à ma retraite et je me dis peut-être que si j'ai une retraite décente aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'en 72, je me battais. Pour moi, ça n'a jamais été plus pareil après. On est rentré à l'école, c'était pas pareil. On était plus prêts. Et les années qui vont suivre, la mobilisation, elle se faisait, était plus consciente. On est devenu conscient de notre force comme groupe. On a été fiers de faire partie de ce mouvement-là. Mm-hmm. Je pense que c'était... on croyait juste les causes qu'on défendait. Et on était fiers de les défendre. Et puis... même aujourd'hui, je suis encore fière de ce qui a été fait à ce moment-là. Puis ma fille, qui a 21 ans aujourd'hui, elle est fière de moi. Puis je me disais, ben, tu sais, on devrait faire un film, un documentaire sur ce qui s'est passé. Je me demande si je devrais y aller ou pas. Puis ma fille disait, maman, je serais fière que tu y ailles. Donc, c'est pas pour rien que ces batailles-là se sont faites. Est-ce que ça serait possible de refaire 72? Je suis convaincu que à court terme, non. Ça viendra, à mon sens, si ça continue à se détériorer. La société actuelle est très en danger, à mon avis. On s'occupe d'économique, on s'occupe pas du social. Le jour où il y a quelqu'un qui va dire « faut s'occuper du social », faites attention, je pense que ça peut revenir, comme dans les années, sous des formes différentes, jamais les mêmes modèles. Si on ne trouve pas rapidement une solution au problème de l'emploi, on va tout simplement s'enliser davantage par rapport à ce que nous avons maintenant. Et la réaction va être encore plus forte que celle qu'on a connue en 72, parce qu'en 72, on parlait pas de l'emploi, on parlait de gens qui travaillaient et qui ne pensaient pas qu'ils avaient leur juste part de la richesse collective. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde a sa juste part de la pauvreté collective? Dans ce salon, on était dans un revolution of rising expectations. Tout le monde espérait toujours en gagner plus. Aujourd'hui, on est dans un cycle descendant. C'est comment on va faire pour séparer un gâteau qui devient de plus en plus petit. On vient de vivre la conférence de Québec, le Québec Inc., qui s'est réuni ensemble. Avec le Québec syndical. Quand je dis le Québec Inc., ça comprend le monde syndical. Je suis content de t'entendre dire ça. À mon époque, je ne souhaitais pas ça. Puis peut-être que si j'étais président, je ne l'aurais pas souhaité non plus à la conférence. Ah, okay, okay. On a des nuances aujourd'hui importantes. C'est probable, en tout cas. T'sais. Et le Québec Inc. a fait qu'on s'occupe uniquement d'abord du déficit, ce qui est très important. Il ne faudra pas nier ça, là. Je ne nie pas au contraire. Mais moi, j'aurais aimé qu'on mette en bloc la question de l'emploi, la question de la fiscalité. Il y a des distorsions importantes sur la fiscalité, à mon avis. Mais là, on repousse ces deux éléments-là
et puis on fait un accord pour s'abattre surtout sur ce que j'appelle les plus mal pris de la société, ceux pour lesquels, en tout cas, moi, j'ai livré le combat, en tout cas, mal ou bien, là, peu importe, là, mais c'était mon combat de ma vie. Mais d'une façon générale, là, on a une province qui, à l'occasion de la crise, puis ça, c'est mon observation, à l'occasion de la crise que nous vivons, c'est les syndicats qui ont été les instruments les plus importants de la minimisation de la crise sur le monde petit. Parce qu'autrement, ça aurait été 100 fois pire. Moi, je dis qu'il faut regarder les choses en face. Le grand vice, le grand vice... Ils ont quoi à faire comme syndicat? Non, mais ils n'ont rien à faire. Ils ont juste à rentrer les cotisations syndicales. Ils ont une responsabilité, mais leur première responsabilité, c'est le bien-être de leur membre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que la situation est beaucoup plus malsaine aujourd'hui qu'elle était en 72. Parce qu'au moins, en 72, on avait une bonne bagarre avec des gens qui se tenaient debout. Actuellement, c'est la désintégration générale. Toi, tu avais le pouvoir de les mettre en prison. Non, laisse faire ça. Mais les syndicats, maintenant, est-ce qu'ils jouent encore, selon vous, ce rôle de leader? Ben, ils jouent en autant que les membres veulent, veut dire. Mais les membres, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de ça parce qu'ils ont eu des affaires, puis ils pensent que c'est tombé du ciel. Il n'y a pas de poulet rôti qui tombe du ciel. J'ai jamais vu ça, moi. Puis je pense que le syndicalisme a encore sa raison d'être, comme porte-parole des travailleurs. C'est sûr qu'on peut peut-être pas penser le travail de la même façon qu'on le pensait en 1972, mais ça ne nous empêche pas de penser travail pareil. Par exemple, réorganisation du travail, des choses comme ça, ça qui s'inscrit dans la justice sociale. Tu sais que j'étais parlé dernièrement à un groupe, puis on dit ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des coups de poing sur la table. Il me semble que quand on se fait bafouer, il faut se révolter, même que c'est en période de crise, je veux dire. N'importe qui peut mettre la clé dans la porte n'importe quel jour. Alors, avant que te faire mettre dehors, t'es aussi bien décidé que tu vas essayer de régler quelque chose. Je trouve que le syndicalisme est extrêmement poli et réservé de peur de déranger ailleurs. Je sais pas, on pourrait être indépendantiste et continuer à réclamer que les pauvres soient moins pauvres. Et pour ça, ou pas laisser tout désorganiser le filet de sécurité sociale, y mettre un petit peu plus d'énergie et dénoncer ça. On a de l'air à faire une espèce de paix sociale et à vouloir inventer une indépendance des fois de je sais pas trop quoi sur le dos du monde qui sont victimes, dans le fond, de ceux qui possèdent. C'est de l'argent. Julie, ça vous a plu, finalement, de retourner dans ce passé que vous ignoriez à toute fin pratique? J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça motivant aussi de rencontrer des gens qui ont milité toute leur vie et qui m'encourageaient et qui encourageaient ma génération à se resolidariser. Merci infiniment de cette aventure de ces chefs syndicaux emprisonnés. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux dire qui t'ont encouragé à militer? À militer, à ce que ma génération se regroupe à nouveau parce que ils considèrent qu'il y a encore du chemin à faire puis qu'il faut continuer à se battre et tout ça. Dans le fond, moi, je suis un petit peu tannée qu'on dise que ma génération n'a pas d'idéal, revendique rien, sort pas dans la rue, est individualiste. On fait de rien non plus? Non, on fait peut-être rien, mais en même temps, alors que c'est votre génération souvent qui nous accusait de ça. Et votre génération, maintenant, vous êtes bien installée, vous avez les régimes de retraite, vous êtes confortablement établie. Mais tu l'as décrit, on s'est battu pour les avoir, on les a eu, on est content. Oui, mais vous les aviez, vous vous êtes battu alors que vous aviez les jobs. Nous, on les a pas, les jobs. Tu sais, l'époque de 72, on sortait de la Révolution tranquille, tout était permis, il y avait des ouvertures, même d'emplois, de postes. Il y avait surtout de l'espoir, je pense. Oui, puis cet espoir-là... C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Il y avait de l'espoir. Et cet espoir-là était motivé par des réalisations concrètes qui s'étaient faites. Il y avait un gonflement de l'État. Quitte à se tromper, on faisait des affaires. Oui. Alors, si toi, tu avais à descendre dans la rue, tu ferais quoi maintenant? Je réclamerais une meilleure... répartition des richesses, parce que c'est ça, on est en train de se faire croire qu'il n'y en a plus de richesses, alors qu'il y en a encore, c'est juste qu'elle est mal répartie. Mais qu'on descende dans la rue pour aller vous soutenir, comme tu disais, de tes profs ne l'avaient pas fait, mais descendez dans la rue. On n'est pas pour descendre les premiers. C'est votre affaire, descendez, on vient vous soutenir. J'espère, en tout cas, qu'on va y aller. Ouais, OK. Si c'est ça, c'est correct. C'est à votre génération d'initier le mouvement, puis... Puis si vous êtes faim pour nous autres avec nos pensions, on va y aller, là. Garde-moi, et d'ailleurs... Quand tu me demandes, est-ce que vous autres vous descendriez dans la rue si vous autres vous descendez, là, pose-toi la question, t'en as un petit dans Beden, là. Si lui descend dans la rue pour avoir quelque chose, tu penses pas que t'aurais tendance à descendre avec lui?
Thank you.